C'était une action propice pour des CMP d'égaliser. Moi, je pense qu'il a fallu. Et même sport également, entre les clubs et le Racing Club de Kinshasa, il a joué, il a laissé la 3 jours, c'était le 4 jours, c'était le mercredi dernier, ici au Stade Martigues de la commune de ici au Stade Martigues de la Pentecôte. Enfin, le joueur avait gagné par Djuma Chalani, avec qui il a tout l'équipe perd le cours, avec le part, avec Jérémy Mbéré qui s'appuie sur l'équipe Wendy qui va jouer pour Jérémy Mbéré. Attention, c'est peut-être c'est une opportunité pour le club. Le centre de Jérémy Mbéré. Et là, il ne se sont pas compris, Jérémy Mbéré. Quelle est la et pourtant, l'intention était bonne pour Jérémy Mbéré, mais ils ne se sont pas compris. Mais si le centre a été pris en béton par un portier à Fobarel, mais ça ne va pas profiter à la formation de votre club. Ah voilà, il y a un jeune bateau qui reste au sol, mais c'est Djuma Chalani. Il y a quand même, en tout cas. Il ne reste plus que 6 minutes avant la fin du temps réglementaire. Toujours avec club devant, 1 but à 0, but marqué sur penalty à la 11e minute par Djuma Chalani Wadol. Et l'intensité a resté ferme. Il n'y a pas de baisse de régime jusque là. Dekitou Lengue Sindani, qu'est-ce qu'il va faire? Il est bloqué. Il va passer d'ailleurs la balle. Là, le centre, attention! Il a fallu surprendre le portier Mouko Barel. Je voyais ce centre non inquiétant, mais à la retombée. Je vois bien que Mouko Barel a failli être mis en difficulté. Il a fallu être mis en difficulté parce que Monsi est en train de voir ses centres plutôt aller se diriger un peu trop loin. Et certainement, je me disais que c'était un gâchis. Mais hein, quand même, à la retombée, Mouko Barel, avec trop avec moins de concentration, il a voulu lui-même être buteur dans son propre poteau. Et récemment, lorsqu'il a allé se déployer, il a plutôt mis le ballon dans le sens inverse. Et c'est quand même bien pour revoir encore ce pénalty. Mouko Barel est allé du bon côté, mais n'a pas pu l'arrêter. Je dirais que ce pénalty a été un pas côté. Il a quand même visualisé la manière dont il allait l'orienter, mais dans ce genre d'exercice, il ne faut pas seulement visualiser, mais il faudra avoir la main ferme, le bras ferme pour aller se jeter sur les ballons. Je crois bien que le club jusque là est en train de maîtriser son suivi. Des CMP qui s'est réveillé depuis les buts encaissés, mais le dernier geste est un obéi pas. Attention, il va passer en force et l'action n'est pas encore finie. Simon de Monsola, coup sur coup, il va réussir à enrayer deux actions. Et là, c'est bien fait avec Kaniki qui a effacé son vis-à-vis, amorti de la poitrine. Et là, on nous sort les statistiques avec la possession du club à 55-45 pour des CMP. Un penalty à 0 pour les CMP là. Et carton jaune 0-0, rouge aussi à 7 tirs pour le club et puis 3 pour l'équipe du DSMP. Merci beaucoup à Tristan Le Lennart pour ces statistiques fait en direct de ce studio. Voilà pourquoi je suis fier de mon équipe. Je suis bien entouré. Quand on a des magiciens de la technique pour vous accompagner, on peut qu'être à l'aise pour bien faire son travail.
Il a été président du Lyon-Taxi. Le réalisateur, le régisseur, intelligent. On continue avec cette retransmission, avec cette balle. Renversez-moi une belle transversale. À la retombée, Taniki, mais c'était en contrôle de trop. Juma Chabali, très vigilant, il va en poursuivre la poursuite de cette balle. Et là, moi, je vois les directeurs Motema Pembe commencer un peu à se rapprocher de la surface de réparation de Moscovitch. Il semble commencer à négocier des actions pour pénétrer cette surface, dépasser au moins cette ligne défensive. Et ce qui a au moins été fait jusqu'à là, mais sauf que dans le dernier geste, on n'arrive pas toujours à bien ajuster les tirs. Et là, on va suivre ce coup de pied arrêté. C'est rajouté par Taniki en jambe depuis le début de cette rencontre. On rappelle que c'est lui qui était l'unique buteur du match qui avait opposé la GS Bazano au DSMP. Victoire du DSMP en déplacement 1-0. Lui sur pénalty de Taniki. Récupération de Metclub avec cette balle donnée par Juma Chabali. Il y aura une bataille. Récupération du DSMP qui va bien finir cette première période. Avec un bon réveil, mais le réveil ne suffit pas, il faut concrétiser ces moments forts. J'aime bien dire que le sport a ses temps forts, il faut bien le concrétiser. Attention, il y a Ricky Toulay-Kessinane qui est bien lancé. Il a donné cette passe dans les lignes pour Apisto Maïle Kalala et malheureusement il a été pris entre deux défenseurs. Il sait comment il a donné cette passe, ils sont allés directement se jeter sur lui. Et là certainement ils ont commencé hein, petit à petit cette équipe du directeur Motema Pembe à refermer les lignes. Et là la balle qui sera trop dosée. Elle a retombé, c'est Inonga Baka. Il va leur sans transition donner la balle à deuxième bomba. Et là on revoit à nouveau à la possession avec une domination de Metclub. 55 et puis 45 pour le DSMP. Et là je crois bien que on va continuer. Merci Tristan de l'énergie. Et là c'est Kaniki. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va centrer cette balle. La défense qui s'impose. Et là, récupération d'Inonga Baka. Qu'est-ce qu'il va faire? Varane. Il n'est pas un bon dribbleur. Il faut chercher un partenaire. Voilà pourquoi il va d'ailleurs faire cette transversale vers son portier Moko Barrel. Desampi qui se réveille avec un bon contrôle de jeu. Et là, c'est Ligota William pour casser Capianorma. Il va rémiser pour ce joueur. Attention, Ligota, ils vont entrer. Ils combinent en ligne 2. Les dernières passes chassées énergétiquement par cette défense de Metclub. Et à la retour, certainement la porte se referme pour les directeurs Motema Pembe qui semblaient plutôt bien développer le jeu. Et là, certainement, ils développent encore proprement le ballon. Ils décident d'aller chercher ce but égalisateur, même si jusqu'à là, ça semble encore le rater. Mais il semble plutôt déjà se rapprocher hein, de ces carrés-là. On ne va pas aller loin parce que l'arbitre de la partie va mettre fin à cette première période. 1 pour Metclub, 0 pour DSMP. Rapidement, je vais le cœur retenir de cette première période. Et certainement, les deux équipes développent très bien les jeux sur les terrains, même si c'est l'ASV de la club de Kinshasa qui a plutôt mis la pression ou le pressing sur cette équipe du directeur Motema Pembe dans cette première mi-temps. Mais les deux équipes semblent plutôt être dos à dos, coude à coude, même si c'est l'ASV de la club de Kinshasa qui mène par 1-0. Et c'est sur ces scores qu'on va s'équiter avec une domination de Metclub. On va retourner sur ce plateau de la PSTV pour débriefer ce qu'a été les temps forts de ces 45 premières minutes, puis on revient juste après pour suivre les 45 dernières minutes.